Tu cliques, okay. Tu lances. Lance, clique. Ouais, mais moi, je sais toujours. Enfin. En gros, il y a, tu vois la grille devant toi. Oui, oui. Bah, en fait, moi, tu vois, je suis l'espion de ton équipe. Tu vois, c'est écrit à gauche. Okay. Et en fait, moi, je vois les mots que je dois vous faire deviner. Ils sont en rouge chez moi. Ok. Les mots en bleu sont les mots que J2 doit faire deviner à Rivenzi et Ultia. Ok. Ok. Le but, c'est que la première équipe qui a deviné tous ces mots a gagné. Donc, le but, c'est de faire, par exemple, admettons que. Y est, attends, j'essaie de voir un des trucs. Admettons que y est, Canada et Mexique sont ensemble, admettons. Voilà, admettons. Tu dis pays. Et puis voilà, regarde, vraiment pour tester, tu vois. Pour tester vraiment pays en deux ici là. Donc. Là, c'est pas à toi de jouer. Là, c'est pas à toi de jouer. Là, c'est à Rivenzi et à Ultia de jouer. Je pense que Riv peut s'en sortir seul en vrai, normalement. Alors, il faut que tu saches, Étoile, il faut que tu saches, Étoile, que du coup, l'équipe de JD, ils ont 9 mots bleus et nous, on a 8 mots rouges à faire deviner. Il y a des mots blancs qui sont des mots neutres et il y a un mot noir. Si tu le devines, eh ben, t'as perdu, globalement. La game est finie et c'est perdu. Ouais. Ok, mais moi, je suis avec qui, du coup? T'es avec Florence et Ponce. Toi, t'es avec Florence et moi et c'est Antoine qui va mettre un mot associé à un chiffre. Et en gros, bah, le chiffre en question, c'est le nombre de mots correspondant aux mots que Antoine va nous donner. Ok, parce que Antoine, lui, il veut me faire gagner moi, parce qu'il est rouge. Bien sûr, on est ensemble, Florence, okay, Antoine, toi et moi. Ok, oui. Parce que vous m'avez pas dit, parce que espion, pour moi, c'est négatif. Pardon. Non, c'est les rouges contre les bleus. Et en gros, en fait, là, JD et Antoine, qui sont les deux espions, ont devant eux la grille, mais ils voient déjà les couleurs de chacun des mots, et ils doivent nous faire découvrir les mots de notre couleur, en mettant un mot et... un chiffre qui est en fait le nombre de mots en relation avec ce... Si je mets ça, il pourrait y avoir tu ça. Tu passeras espion sur la game d'après, comme ça, ça. Tu auras peut-être une okay, meilleure... Ok, ok, ok. Ça, okay. Ça. Bah, tu vas voir, ça va être très clair, ça va être très clair. Ok. Ça va être très clair. Oui, mais il y a ça aussi. Ok. Et le but, du coup, c'est de trouver des mots, mais tout en ne faisant pas deviner ceux des autres. C'est pyramide, mais oui, c'est pyramide, en fait. Enfin, c'est... Oh. Il faut pas faire deviner ceux des autres. Ok. Non. Imagine si nous on choisit un mot et finalement que c'est un mot bleu, bah c'est la fin de notre tour et on leur donne le point. C'est dommage, mais bon bah c'est le jeu quoi. Tu vois? Ok. Mais ça tu peux pas le deviner. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas te dire. Je suis mute, c'est vrai, pardon. D'accord. Je disais, on va voir en fait en jouant, tu vas comprendre. Oui c'est ça. On va jouer, tu vas capter assez vite. Ouais. Oui. Ton jeu est trop simple, Antoine, s'abuser. Ok. Alors ouais, c'est effectivement, mais comment faire encore plus mieux? Attends. Alors, là, vous aidez votre Mais t'as joué solo, Rive, là? Bah oui. Bah oui, ça, en même temps, ça va, t'étais pas là, Lucia. Je savais pas, tu répondais pas. J'étais en train de faire mon Duolingo. Bah oui, mais t'es en live, Lucia. Bah oui, c'est marrant. Moi, j'ai un stream animé, je suis désolé. Mais sinon, je perds mon cumul de jours. Oui, mais c'est pas grave, j'ai joué, ça s'est bien passé, tu joueras le prochain tour avec moi. Bon, vous pensez à ça, les gens, mais pourquoi? En haut, à droite, des petites étiquettes que tu verras, parce que les mains, c'est pour valider. Donc, tu vas retourner le truc. Tu les vois pas pour le moment, mais tu les verras tout à l'heure. Ok. Ouais. Juste, on va réfléchir ensemble. Mais si je mets ça, ils vont mettre ça, forcément. Excusez-moi, je suis en train de réfléchir en même temps. Ah oui, en fait, t'as un mot, JD, qui me contrecarre un petit peu dans mes plans. Ouais, aïe, ok, aïe, je sais aïe, ce que aïe, c'est. Aïe, aïe. Antoine utilise le chat. Oui, les espions, ils peuvent. Mais par contre, nous, non. D'ailleurs, qu'est-ce que je fais avec le chat, moi? Attendez. Putain, je suis con. Moi aussi, je suis un fou, moi. Ah oui, c'est moi bon, pardon. Aussi. Alors que ça... Y a rien eu, mais... Attendez, mais j'ai une question. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir, genre... trois... Enfin... On peut faire deviner genre trois mots liés entre eux ou c'est forcément des couples? Non, tu peux en faire deviner. En fait, ça peut être 8. Ah ouais, oui, en okay. fait, en plus du en vrai, j'ai envie de le tenter. Donné en indice, il va indiquer à côté un numéro oui, et, qui correspondra au nombre de cartes qu'il veut te faire deviner. Oui, d'accord. Et sachant, ça veut... ouais. Oui, vas-y. Et ça veut dire que du coup, c'est plus rentable. Enfin, s'il y a des groupes de mots qui se ressemblent, c'est plus rentable de faire à deux. J'ai envie de le tenter parce que ça peut t'induire en erreur. En gros, l'idée, c'est de grid le plus gros nombre possible, mais sans donner des points à l'adversaire, quoi. Ok. Non, mais tu verras, admettons, mec, il veut tenter mot en 8, bon bah, tu vois, ça, effectivement, il y a eu 8 mots, mais tu vas peut-être... Et du coup, toi, payé en 2, t'as eu grave de la chatte, parce qu'il y avait deux pays. Oui, c'est ça. Voilà. Okay. Oui, exactement. Mais okay. Allez, je vous donne mon mot. Ok, c'est bon, j'ai compris. En 4, terre. Waouh. Bon, je mets une absence.
Je peux tenter. Alors attends, 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 attends. Regarde, tu peux cliquer juste sur la carte, pas sur la main pour mettre une option. La main, c'est pour valider. Non mais quand j'ai dit je peux tenter, c'est genre on en discute, mais moi j'ai une idée quand je pense ouais, à Terre. En gros, ce qu'il veut dire, c'est que tu peux cliquer sur une carte sans cliquer sur la main, et si tu cliques à côté de la main, ça va juste ouais, ça va valider. Comme une option quoi. Ouais, okay, c'est une option. Non, tu poses une option et comme ça tu donnes ton indice à tes mates, enfin ton idée à tes mates. Bah du coup Terre, bah brûlé. Bah champ c'est sûr. Moi champ pour moi on peut valider. Bah on valide. Bah boue à 100%. Attends, est-ce qu'on valide? Ah vas-y, boue 100%, t'as raison. Non, boue, tunnel. Attends, on fait petit à petit. Attends. Ah, oui. Est-ce qu'on valide déjà boue? Non, moi je dirais on regarde tous ceux qui correspondent et après on fait comme un espèce de comment ça s'appelle de d'entonnoir, genre du plus évident ou peut-être plus. Attends mais bah j'avoue que terre et boue s'il y a pas ça. Attends, je suis d'accord avec toi, mais terre vous pensez à Newton? Non, c'est une option. Bah oui, un peu, parce que... Bah, un peu, coup, quand même. Enfin, ouais, mais... Terre, du coup, il y a forcément un peu de choses qui se passent. Ah putain, ouais. Ouais, c'est pas simple, hein. J'aurais plus dit... Ouais, je sais pas. On peut enlever l'option, on peut l'enlever là. Ouais, vas-y. Vas-y, go. Il y a forêt, tu vois, aussi. Ouais, forêt, ouais. J'ai pensé aussi. En fait, moi, les quatre, ce serait champ, tunnel, boue, forêt et pas Newton, mais... Il y a culture, hein. Ah, il y a culture à FF. Non, mais c'est pour ça, validons boue. Et ouais, on continue à réfléchir en entonnoir, mais en validant, tu vois, parce que... On valide boue ? Ouais, vas-y, go. Boue pour moi, ouais. Ok, c'est good. C'est bon. Est-ce qu'on valide champ ? Champ, pour moi, ça me semble... Mec, champ à 100%. Vas-y. C'est good. Bien joué. Tunnel, en vrai, non ? Tunnel, mec, tunnel, c'est un tunnel de terre. Moi, c'est vraiment pas le premier truc auquel je pense. Hein. Bah, genre, culture me paraît plus probable que tunnel. En fait, moi, je me dis qu'il a graffé le lien logique de... Dans un champ, il y a des taupes. Dans des taupes, elles vont dans des tunnels de terre. Et du oui, coup, mais bah, il a pu faire aussi Newton. Mais en fait, il y a une histoire quand même de gravité sur la terre, quoi. Mec, il aime trop les taupes. Genre, je sais pas. En vrai, mec, tu peux tout faire. Hein. Tu peux aussi dire Rome. Le Rome, ça vient de notre terre. Ouais, finalement, c'est un produit. Non, mais jouer sans moi, je pense. Mais non, mais... C'est notre idée à nous, finalement. Mais c'est normal. Mais non, c'est normal. Non, mais en vrai, vous avez raison. Je pense que. Non, mais je vous suis sur culture. Je vous suis sur culture, ouais, c'est bon, frère. Culture. Et où que s'ils ont les quatre la première main. Bien joué. Très bien joué, très bien joué. Très bien. Bah, le dernier, ça peut être les trois, frère. Hein. Ouais. Franchement, ça peut être les trois. Est-ce qu'on se tente un truc? Ouais. Soyez beau jeu. On est beau jeu. Moi, je pense Newton, du coup. Ah ouais. Bah en fait, si vous suivez ce que vous avez, enfin, si vous suivez, en fait, le seul truc, c'est que je me dis, genre, regarde, ce qu'on a validé, c'est boue, champ, culture. C'est à peu près le même champ lexical, tu vois. Genre boue, champ, culture, c'est le même truc. Et Newton, c'est totalement à côté. Enfin, même si c'est la Terre, c'est à côté. Parce que des fois, ça peut être arabiscoté, mais Newton, moi, c'est celui qui me paraît le plus facile. Mais genre, si c'est pas ça, peut-être next time. Go. Bah go. Pompon. J'ose pas, je vous laisse faire. Hein. Après, les amis. Je prends la responsabilité de cet échec. Ben, après, forêt, en ça fait, marche aussi. Hein. Forêt, en fait, Newton et tunnel. En fait, le truc, c'est comment enfin, Antoine, pardon, il a réfléchi. Il s'est dit j'ai par exemple champ, boue, culture, il y a terre autour de ça, c'est sûr, on le sait, c'est devant nous. Et il a dû essayer d'en mettre un quatrième en mode forêt. En vrai, alors. On n'est pas très loin. Ouais, mais c'est forêt alors. Bah mec, c'est vrai qu'en vrai, si, c'est genre, dur, c'est hein, une évolution. Il y a vraiment les trois mots s'y rapprochent hein, pour le. En fait, s'y rapportent pour le coup. Bah ouais, mais c'est une évolution, tu vois. Genre c'est. Moi je boue, pense. Champ, culture, forêt. Ouais, mais moi pour moi c'est plus une tentative de clutch avec un Newton qu'une évidence forêt. Tu vois ce que je veux dire? Étant donné que. Je pense aussi, ouais. Mais Newton c'est free parce que tu peux faire un. En fait, Newton, tu peux faire un autre truc après parce que tu peux lier Newton beaucoup plus facilement. Bah. Non, mais il est même pas obligé de lier. Nous on retient aussi. Genre imagine là on coche forêt et c'est pas forêt. Nous on sait qu'il y a Newton tunnel, c'est peut-être là-dedans, tu vois. On le sait. Mais hey, go forêt hard. Ah ouais. Go forêt hard. J'ai envie de Newton hard. Je prends ma responsabilité. Vas-y, prends ta responsabilité. Je prends mes restes, c'est forêt. Vas-y. Mon frère. Oui. OMG. Bien joué. En fait, Newton, il va nous le mettre dans un truc arabiscoté, genre. Tu vas voir, il faut que vous mettiez que vous avez fini de deviner, si jamais. Pardon. Est-ce qu'on en entend un clutch? Ok. Ah, c'est comme vous voulez. Hein. Ah merde, je croyais qu'il fallait que tout le monde mette fini de deviner. Non, c'est juste une personne. Ouais. Non. C'était le hasard. Hein. Là-dessus. On a de l'avance été... et tout. En vrai, au premier tour, c'est hyper 100%. Dangereux de faire un. Je suis vraiment dans la. OMG. Il y a un film. Attends, alors par contre, Rayou, là, c'est plus à toi de deviner, là. Ah oui, c'est plus. Ok, oui. Ok, j'allais dire. Titre, effectivement, c'est bien. Titre.
Des films de karaté, il y en a des Welbeck, films de karaté. Par exemple. ce genre de film, ouais. Éponge, Newton, note, intérêt. Film, entrée. Entrée, il y a des entrées de cinéma. Oh oui. Entrée du film. Les manèges. Petite karaté. Dans les films. Clé. Il y a le film Bob l'éponge. Oui, c'est un peu tiré par les cheveux, je pense, là-dessus. Et la note, Allociné. La note. Wow, okay. On en parlait tout à l'heure. C'est vrai, c'est vrai. Mais les, le film, c'est. Non, putain, j'ai failli donner des indices tranquilles. Vas-y, go titre. Titre, c'est, si c'est pas go ça, titre. Bon. Guide titre. Entrée. Ouais, entrée. En vrai, franchement, attends, on se les refait tous. Recette, cycle, iris, tunnel, intérêt, chemise, éponge. C'est un centre d'intérêt, le cinéma. Mais bon. Ouais, mais c'est pas un film. Ouais. Après, pourquoi il a pas mis cinéma? Pourquoi il a mis film? Bah, parce que je pense pour. Note. Note, tu mets pas une note au cinéma, quoi, tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a note. Vas-y, mets note. Let's go. Et entrée. Et après. Ouais, ah, bien joué, non, bien joué. Oh là là, c'est magnifique, hein. Ouais, rien à dire, franchement. Okay. Allez, on enchaîne. Alors là, je suis mute, hein, on est d'accord. Hein. Ça, c'est on n'a pas le temps. Pas est-ce que je mettrais pas. Votre temps. Antoine, c'est en 4 ou rien. Science pour intérêt et Newton. Au début, c'est facile. Et taché pour chemise et œuf. Est-ce que je peux faire plus que ça? Plus, il faut. Tout à fait, oui. Oui, bien sûr. Après, je me permets d'analyser parce que j'ai été joueur pro en 92. Excellente, t'étais pas né. Excellente analyse, mec. Science, intérêt, chemise, Newton. En quoi science, c'est chemise? Le critérium, bien sûr. Bien sûr. Scientifique pour inclure chemise, mais je comprends pas. T'es jamais à la tarte de ta vie. Exact, il vient de là, donc j'ai... Flash avec éponge. Ah merde, il y a éponge, putain, my bad. J'avais un pote qui venait de... Enfin, qui vient toujours, d'ailleurs, de Tarbes. Et genre, il me disait... Tarbes, c'est tout sud-ouest, ça doit être le... Blues en deux. C'est pas les Pyrénées... Non, je crois que c'est plus au... Dans... Blues, c'est un peu... Ah, c'est quand même bien close Pyrénées, hein. J'ai pas mon chat, je Gravité, mais à part Newton... Département Tarbes. Haute Pyrénées. Tu vois, quand même. Ouais. Ah, je mettais ça moins au... Si, si, c'est, que c'est bien au sud, hein, c'est vraiment close. Peu, je mettais ça un peu à l'ouest. Vraiment close. Mais attends, vois, excusez-moi, je suis en train de réfléchir, hein, du coup. Hein, non, vous pouvez parler, mais c'est juste que c'est pour ça que je ne dis rien pour l'instant. Lourdes, c'est dans le sud. Non, science, c'est bien. Ah oui, c'est sud-ouest, c'est... Bah, par... c'est... Moi, je mettais Lourdes, genre... Bah ouais. Bah, science en deux, en vrai. Mais pas du tout, Riven. Il pourrait mettre cycle, peut-être, mais science en deux pour intérêt et Newton, c'est pas mal, moi, je trouve, non? T'étais à la messe l'autre jour? Ouais, comment ça, t'étais à la messe l'autre jour? Je suis à la messe l'autre jour. Non, c'est vrai. Oh là là, vraiment Saint-Germain-en-Laye. En ce moment, il me fume ce mec. Il va à la messe. Musicien en 3. Le curé de Saint-Germain-en-Laye est très sympathique. Hein. Oui. Il parlait qu'il apprenait la guitare et tout. Et quelques... Ah non, il y a règle en bas. C'est la guitare. Règle, non, c'est mort pour règle. Ouais, vous devez rien lâcher, si vous y arrivez pas, c'est votre faute. Et après, il nous parlait de sa formation en ligne et tout qu'on pouvait acheter. Le bon. Ouais, mais règle avec scientifique, c'est mort là. Je vois, vous dites scientifique, mais. T'as donné combien la quête? 20 balles, je crois. Théorie? C'est pas vrai. Non. C'est pas trop mal parce que. Par contre, vous savez que. Newton, d'accord? Œuf, l'œuf ou la poule, la théorie de l'œuf ou la poule. Et pour intérêt, théorie, ça peut être pas mal aussi. Théorie, c'est un des meilleurs, je trouve. Il y avait le TPE à côté, quoi. Oui, mais pour le mignon. Ouais, mais là, en fait, il y avait un panier. Et dans le panier. Règle, je suis pas sûr que ça marche avec théorie, règle. Tu donnes 5 balles et tu mets, t'appuies sur 5. Ah ouais, intérêt et règle. Au pire, c'est un mot blanc. Et du coup, t'as il y a cycle. Ça fait comment la carte? Ouais, mais. Ouais, la théorie des cycles. Le cycle théorique. La carte. Ah ouais, avec le bruit et tout. Moi j'ai envie de le tenter. Gens, ils ont moins en moins de liquide sur eux et tout. Bah, donc ça ouais, m'étonne pas du tout qu'ils complètement. Aient... Genre comme ça. Clairement. Réel. Les gens qui ont du liquide sur eux, c'est soit les gens qui achètent du tabac, soit qui vont acheter le pain tous les jours. Mmh. Bon, moi, ah mais j'avoue, tomber. Newton, tomber la chemise. Zebda. Est-ce que tu vas souvent à la boulangerie, Rayou, où je me dis que t'as du liquide. Bah tu sais que moi j'ai des dollars sur moi. Bah excuse-nous, mais quoi. J'ai des livres sterling. Ouais, mais j'ai... Mais je vois que vous dites centre pour centre d'intérêt, centre de gravité pour Newton. Ouais. Mais centre, c'est aussi iris, ils pourront peut-être dire, tu vois. L'iris, c'est le. Enfin. Quoi ouais, ouais. Parce que, ça, c'est parce pas mal, ça. Enfin, pour t'as des têtes de l'arbre, pourquoi? Parce que de ton dernier voyage aux USA, c'est ça? Après, est-ce que. Ouais. Attends, est-ce qu'il pourrait mettre ça aussi dedans? Voir. Antoine, tu veux, Antoine? Attends, deux secondes, je réfléchis. Deux secondes, oui, c'est à peu près le temps. En vrai, tomber en trois, à part chemise, Newton et œuf, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Rien. Petit Buckingham Palace, là. La relève de la tomber la coupe, tomber la recette, tomber le cycle, karaté.
Ah, Karat. C'est la relève de la guerre. Ouais, j'étais un peu triste. C'est un peu surcoté, je trouve, quand même. Ah oui, moi, j'avais vu, j'avais trouvé ça stylé. Non, je vais mettre en deux, du coup. Non, mais en fait, on m'a dit que c'est parce qu'il portait encore le deuil de la reine, je crois. Ok, c'est bon, j'ai. Ah, pardon. Alors, oui. En deux. C'est pas la guerre de. Pardon, excuse-moi. En deux. Oh non, Antoine. Oh non, Antoine. Si je le mets en trois, vous allez vous planter, hein. Abattu. Elle a retourné le problème dans tous les sens. Abattu. En deux. En deux. Tombé. Newton. Elle est tombée pour elle. Newton à 100%. Si il y a Newton, tombé il aurait quand même faire Tier 5. Ah, il y a Tommy. Mais en fait, attendez. Alors, je suis peut-être un peu fou. Mais genre... Crazy. En fait, Newton, je suis sûr. Non, mais là, y a attends, pas... valide pas. Attention. Enfin, c'est bon. C'était bon, mais t'as validé, là. Fais attention. Excusez-moi. Mais, okay. Les amis, vous trouvez pas que ça peut être aussi intérêt parce que les intérêts, ils tombent chaque année, oui, je suis d'accord avec toi. Parce que, enfin, pour moi aussi... Je suis d'accord, mais un être humain né en France à la fin des années 80 met le mot tomber alors qu'il y a chemise, ici. Non, c'est impossible que ce soit pas chemise. C'est vrai, je suis d'accord. Et après, genre, au karaté, bah, tu tombes et tu peux faire, genre, casser les œufs. Mais oui, mais pas tomber les œufs. Honnêtement, je crois vraiment qu'il a réfléchi 10 minutes pour mettre tomber alors qu'il y a chemise. Ouais, vraiment. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Allez, c'est bon. Ah, c'est vrai qu'il y a chemise. Bien joué. Mais attendez, et on peut guess encore? Oui, mais en oui, vrai, mais t'as aucune info là. Parce qu'on a 0 indice. Oh, les amis, est-ce que du coup... les amis, moi je vous donne ma théorie. Il a mis 954 km à réfléchir parce qu'il était en mode « Oh putain, ils vont peut-être confondre et tout, ça veut dire qu'il y a embrouille. Ça veut dire que genre il y a plusieurs mots possibles. Moi je vous dis, le clutch si on met intérêt. » Mais il aurait mis 3, en fait, évidemment. Ça peut être le mot noir, Rayou, et dans ce cas-là, si c'est le mot noir, on perd. C'est loose. Et s'il y avait intérêt, il aurait mis 3 en fait, il aurait pas mis 2. Ok. Non mais moi je pensais que en gros du coup ça voulait dire je gride pas, tu vois. Genre ça veut dire que c'est pas du grid quand tu mets le nombre de mots à côté. Ah, ok. Bah c'est bon, on a eu les deux. Après peut-être qu'intérêt est rouge, mais dans ce cas il aurait mis. Ah non, mais ça veut dire que c'est mot noir alors. Mais si c'est 2, ça veut dire que c'est mot noir alors. Non, on sait pas. Non, on sait pas. Ça veut non, c'est peut-être juste c'est un mot, on sait pas. Ok, c'est un mot à E au bleu aussi, ça peut être ça. Ça peut être ça, ça peut être un mot à bleu. Moi je pense qu'on arrête, ils feront pas 4 tout à l'heure si. Oh, on va gagner au prochain, non? Non, bah go for it. Vas-y, go. J'ai. Ok, GG's, hein. On fait mais tu vois, deux. Bien joué. Faut réfléchir dans la logique, dans la logique de la personne qui met l'indice, tu vois. En tout cas, lier ces deux-là, comment on peut faire? Il me saoule, putain. Je suis désolé. Il y a aucun monde où c'est karaté. Et frère, que karaté, tu fais quoi quand tu joues au karaté? Tu tombes, mais quand tu tombes, tu peux te couper. Quand tu tombes, tu peux tomber parce que t'es sous à cause du rhum. Tu peux faire tomber tes clés, tu fais tomber un œuf par terre. Ouais, c'est vrai. T'es, mec, tu cuisines, mais oui, mais il y a rhum. Il y a coupe. Mais non, mais putain, mais il y a plus. Tomber, c'est bon, les gens. C'est les gens. Mais non. Attendez, s'il vous plaît, laissez-les réfléchir. En vrai, je vois cycle, c'est bien parce que t'as les cycles de l'enseignement. Donc en vrai, ça marcherait trop bien. Règles, les règles de l'enseignement. Intérêt, l'intérêt de l'enseignement, non. Tunnel, le tunnel de l'enseignement, bon, non. Éponge, non. Ça me semble assez évident. En vrai, règle moi et... aussi. La galénophilie, c'est l'intérêt des poules. Ouais, ok, fort. Vas-y, valide règle. Aïe. Règle n'est pas bon. Eh ben zut. On a été trop vite. Et c'est quoi, non, mon gris? Non, moi je sais pas qu'on était allé trop vite. Hein. C'est notre... L'ornithologie. Ça veut dire juste ça vous passe la main. En gros, c'est juste ça vous passe la main, mais ça vous rapporte pas de points à vous parce que c'est pas un mot à vous. C'est pas un mot à nous, pas un mot à vous. Ok. Voilà. Là pour le casser coup, en deux. Oui, mais karaté, tu casses des trucs aussi dedans. Ça s'apprend. Or. Ouais. Ou sinon la. Les intérêts en or, les œufs en or. Les clés de l'enseignement. Ah or, il pourrait pas avoir une coupe en or aussi, hein. Je sais pas. Là, en vrai. Ça doit le mettre coupe dans en or. Coup, parce que ça doit pas du tout aller avec les deux autres mots. L'éponge de l'enseignement. Moi, je dis ornithologie en vrai. Ornithologie. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Rien. Karaté de l'enseignement. Ornithologie, c'est un intérêt. Œuf, c'est la poule, c'est les oiseaux, c'est. Enfin, c'est pas que les. Non, même les œufs, c'est pas que la poule en plus. Oh là là. C'est un bébé. Ok. C'est un petit bébé, ouais. Tout petit bébé. Un bébé. C'est un bébé. Ok, messieurs, dames, pour gagner bien évidemment cette game. Ok. En deux. Ornithologie. Oh, OMG, c'est. OMG. Bah, déjà, œuf à 100%. Ouais.
Et après, après le deuxième, frère. C'est un intérêt. C'est je l'ai mal écrit, il n'y a pas de H, pardon. Il bat là-dessus. Ah putain. C'est un centre d'intérêt en vrai. Hein. C'est un centre d'intérêt. Tranquille. Ça peut être une recette aussi. Hein, Alors qu'une chèvre, en vrai, dans le canard au sang, par exemple. Hein, voilà. Souvenez-vous, le tombé en deux. Déjà, œuf, on peut le mettre. Oui, c'est sûr. Il n'a pas dit oiseau, donc il a dit ornithologie. Ouais, mais c'est l'étude des oiseaux. Bah, en fait, c'est oui, c'est oui, je sais, mais j'ai fait un H. Pourquoi est-ce qu'il a dit ornithologie et pas oiseau, tu vois? Bah, parce que intérêt. Oui, mais je pense que c'est ça. Mais du coup, j'essaie de voir avec les autres mots s'il y a un truc. Tu vois, ornithologie. Après, ouais, c'est pas chèvre. Ornithologie. En vrai. Enfin, manège, chèvre, karaté, c'est mort. Après karaté, tu tombes. Putain, il casse les couilles. Ouais, je pense que c'est œuf et intérêt en vrai. Centre d'intérêt. Je pense, aussi, ouais. Je pense déjà œuf, on peut le faire. Ouais. Oui. Go. Let's go maintenant. Bien joué. BG. Intérêt. Alors que les tunnels d'ornithologie, quoi. En vrai, go intérêt. La fameuse coupe d'ornithologie aussi. Go. Pas la Copa del Mundo de l'ornithologie. Moi je dirais. Let's go! J'ai bien joué. Les amis, les intérêts ça tombe quoi. Oui, bah, non mais oui, bien sûr. Mais quand t'as dit que tu voulais mettre intérêt, j'étais trop chaud en vrai. Mais oui, putain, parce que les intérêts ça tombe. Par contre, karaté, j'étais moins chaud en vrai. Du coup, manège, t'étais chaud comment? Iris. Très peu chaud. Ma seule possibilité, c'était que vous mettiez effectivement règle d'abord pour qu'ensuite vous vous souveniez qu'il reste un de enseignement et ensuite mettre yeux en espérant que ça passe pour ouais, Iris et chèvre. Ouais. Je pouvais pas faire. Enfin, j'avais vraiment que des mots qui avaient aucun rapport entre eux. Yeux et pour le 4 chèvre, d'Antoine. Ouais, bah, moi, ouais, c'est le seul truc qui avait des yeux en fait dans toute la ligne. En plus, elles ont des yeux spéciaux de ouf. Oh, il y a des. Ouais, c'est vrai. Il y a un oiseau qui s'appelle l'iris. Ça aurait pu marcher pour film aussi. Oh putain. Pour film, il y avait un film qui s'appelait La Chèvre. Ouais, il y avait un film qui s'appelait La Chèvre. La piste de riff sur le karaté était pas mal. Ouais, mais pas en fait, la chèvre, pour le film, honnêtement, éponge, ça marche aussi. Honnêtement, voilà, pour le film, j'ai vite écarté cette idée parce que je me doutais qu'il y avait des films pour tout en fait.